L'Union fait la force en Indre-et-Loire. Europe Écologie et les Verts ont conclu un pacte cet après-midi avec le Parti Socialiste. Un accord qui porte sur le programme politique des cantonales à venir, ainsi que sur des alliances électorales. Plusieurs points ont mis d'accord ces deux partis, notamment le développement des transports écologiques, le droit au logement écologique et solidaire, puis faciliter l'accès aux soins. On écoute Jean-Patrick Gille, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste, et Fernando Gaeté, candidat à Europe Écologie Tour-Ouest. Ça s'est fait dans une excellente ambiance, une ambiance de travail, de confiance, d'échange, de travail sur le fond. Après, ce n'est jamais facile, et puis je crois qu'on peut le dire, chacun dans son camp avait des personnes qui disaient « mais non, ça sert à rien, faisons comme d'habitude, etc. » Alors que là, je pense qu'au contraire, c'est l'idée d'impulser une nouvelle dynamique de la gauche. Non pas que ça aille pas, mais je pense qu'il faut, voilà, c'est comme dans le sport, il faut toujours relancer les choses, apparaissent aussi des nouvelles générations, des nouvelles têtes et aussi donc un peu des nouvelles méthodes de travail. Nous avions demandé 3 cantons au départ. Finalement, quand on a vu comment les choses avançaient au niveau du programme, et on a regardé la difficulté du Parti Socialiste pour trouver un candidat de leur côté, on s'est dit qu'on devrait faire un effort pour que cet accord aboutisse à un moment donné. Et sans céder sur les points de programme, c'est-à-dire tout ce qui est transport, aéroport, tout ce qui est reconversion, logement, énergie, on est arrivé à un bon programme. Et ce programme, ça a donné...